Konnichiwa, ici c'est Morgan, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9, il me semble, oui, 9, et aujourd'hui on va ouvrir encore une fois, pour pas changer bien sûr, ce sera pour tout le mois de décembre, on s'ouvre des boosters Tops Mewtwo, le tout premier film, Mew versus Mewtwo. Alors je m'excuse si vous entendez peut-être des bruits de travaux, hein, parce que... ils font des travaux sur le toit de la maison dans laquelle je tourne, donc voilà, peut-être que vous entendez des petits bruits chelous, mais ne vous inquiétez pas. Alors la première carte, c'est une carte des vacances de Pikachu, Trapped Charizard, cet accent de malade. Alors celle-là, on l'avait déjà eu, hein, j'en suis certaine à 100%, d'ailleurs, pauvre Dracaufeu avec sa tête dans la plaine de jeu. Il est trop grand, faut pas jouer, hein. Toi tu dois aller... ailleurs. Alors la prochaine carte, Donphan, encore une fois, celle-là, on commence à l'avoir de plus en plus. Hein. On l'a même eu en holographique il y a 2 jours. Bon, elle est toujours aussi classe, hein, mais bon. Prochaine carte, Psychic Showdown. Showdown. Ouh là là, j'ai du mal à lire ça. En tout cas, petit Mew et le Mewtwo qui se battent. Et c'est Mewtwo Attaque Ballombre, qu'on a déjà eu. Ensuite, War Turtle, encore une fois, qu'on a eu en holographique d'ailleurs hier. Est-ce qu'il est holo aussi? Non. Ah, c'est celle-là qui est holo. Formidable. Donc celle-là, on l'a déjà eu, bien sûr. Et l'holographique, c'est The Invitation. On a eu cette carte hier, avant-hier. Avant-hier, je crois. Et elle n'était pas holo, donc maintenant, on l'a en holo. Ça fait vachement plaisir. Waouh, c'est toute belle et toute petite. Elle est vraiment jolie, cette carte en holo. Alors, on la met ici de côté. La prochaine carte, il s'agit de Leaving the Nest. Alors, celle-là, on ne l'avait pas encore pioché. Mais voilà. Celle-là, ça doit vraiment donner bien un holographique aussi. Hein. Avec le fond bleu holo et les yeux peut-être en holo. Ça donnerait vraiment bien, en tout cas. Moi, j'ai hâte de l'avoir. Je ne l'ai pas encore, d'ailleurs. Ensuite, The Ultimate Match, qu'on a également déjà vu... encore et encore, on commence à avoir fait le tour des cartes. Et la dernière, c'est The Story of Mewtwo, avec Mewtwo Digital ici, et la Team Rocket ici. Voilà, alors les vidéos vont être de plus en plus courtes probablement, on commence à faire le tour des cartes encore et encore. Donc voilà, si ça vous plaît, laissez quand même un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à partager cette vidéo, ça fait également super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les petits commentaires quelle est votre carte favorite, comme d'habitude, celle-là et celle-là, j'adore. Bon, celle-là, j'ai déjà dit dans une autre vidéo que j'adorais aussi, bien sûr, parce qu'il y a un Mewtwo qui fait ballombre, et ballombre, c'est une attaque super classe, mais aujourd'hui, je vais aller pour celle-là et celle-là. En tout cas, merci d'avoir regardé, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à demain.